Je vous l'avais dit, oui, je vous l'avais dit vendredi. Aujourd'hui est un nouveau commencement. Souvenez-vous, vendredi, nous étions en compagnie d'une galerie éclectique de personnages. Il y avait Simon de Cyrène qui était là par hasard, mais qui avait été recruté pour soulager Jésus dans sa montée vers le Golgotha. Il y avait Pilate qui avait cédé sous la pression de la foule alors qu'il savait que Jésus était innocent. Il y avait le peuple qui criait « Crucifie-le ! » Il y avait le mauvais larron qui se moquait de Jésus, lui disant « Sauve-toi toi-même ! » Les soldats qui faisaient de même, se moquant eux aussi de lui, tout comme les magistrats. Il y avait le bon larron qui dira « Mais il n'a rien fait de mal !» comme le centenier qui reconnaîtra certainement « Cet homme était juste !» Et puis il y avait aussi Joseph d'Arimathée, le juste, qui aura le courage de mettre son tombeau à disposition du crucifié. On pourrait ajouter les disciples, ceux qui s'étaient cachés, et le disciple qui accompagna Jésus jusqu'à son dernier souffle. Il y avait là toute l'humanité, les lâches et les courageux, les corrompus et les généreux, les méchants et les gentils. Il y avait ceux qui étaient les prémices du monde à venir et ceux qui étaient encore attachés au vieux monde. Nous étions tous là, et j'étais là moi aussi, tout entier, devant la croix, avec toute ma personne et ses complexités, à la fois lâche et courageux, méchant et gentil, généreux et corrompu, porteur de mes regrets comme de mes espérances. Et il y avait eu cette parole du crucifié qui dira « Père, pardonne-leur ». Oui, frères et sœurs, ce matin, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont tous pardonnés. Oui, frères et sœurs, ce matin, un monde nouveau s'ouvre. Ce que j'étais hier n'importe plus, parce qu'il est ressuscité. Ce matin, le vieux monde a une nouvelle chance. C'est comme le premier jour, parce qu'il est ressuscité. Schaut euch Ostern ist da. Mitten unter uns. Einer fällt hin und steht wieder auf. Einer ist allein und findet wieder neue Freunde. Einer fürchtet sich und verliert seine Angst. Einer ist krank und kann doch leben. Einer weint und kann wieder lachen. Scheut euch Ostern ist da, mitten unter uns. Le Christ proclame « J'étais mort, me voici vivant à tout jamais, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Pour que le jour qui se lève soit plus beau, je vous inviterai à prendre notre premier chant.
Ô Christ, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Ô Christ, tu es la source d'eau vive, tu es le cep, tu es le pain. Ô Christ, tu es en nous et nous en toi et dans le Père. Ô Christ, ton Dieu est notre Dieu, ton Père est notre Père, tes frères sont nos frères. Ô Christ, tu es en nous et nous en toi et dans le Père. Ô Christ, l'homme de douleur, le méconnu, le crucifié. Ô Christ, tu es en nous et nous en toi et dans le Père. Ô Christ, le ressuscité, le vainqueur, le vivant. Ô Christ, tu es en nous et nous en toi et dans le Père. Tu es le Sauveur, tu es mon Sauveur, tu es le Sauveur du monde. Nous prendrons la première strophe du psaume 118. Il est sorti du tombeau, on ne sait pas quand ni comment. Mais la foi des apôtres est née de ce tombeau et elle fonde la nôtre. Christ est vivant. Regardez les croyants encore enfermés dans leur tombeau, ils ne sont pas des vivants. Tombeau de l'indifférence, tombeau de la tristesse, tombeau de la haine, tombeau de la peur. Ils disent souvent « Je commencerai demain, je changerai de vie, je ferai un effort, je ferai la paix, je partagerai, j'aimerai, demain. » Mais tu nous dis non, pas demain. C'est aujourd'hui que doit jaillir la vie, parce que c'est aujourd'hui que le tombeau s'est ouvert. Nous prenons les strophes 2 et 3. Thank you.
En Jésus-Christ, je vous l'annonce ce matin, la pierre de nos tombeaux a été roulée. À toi écrasé par les soucis et les échecs, rampant et soumis devant le pouvoir, à toi assommé par des responsabilités trop longues, trop lourdes, laminé par des pressions et le stress, à toi terrassé par les accidents de la vie, par la maladie, la culpabilité, la souffrance du corps ou de l'esprit, à toi abattu par la mort, à toi Dieu te dit « Relève-toi, marche, sors de ton tombeau, debout, vainqueur, et inspire maintenant à plein poumon l'air de la liberté nouvelle que Dieu te donne. » J'entends un chant de délivrance. Comment allons-nous écouter les paroles qui vont être lues maintenant ? Comme des paroles anciennes qui nous parlent du monde d'hier, du temps d'hier, des réalités d'hier, des fatalités d'hier ? Ou comme une parole neuve qui nous parle du monde d'aujourd'hui, du temps d'aujourd'hui, de la réalité d'aujourd'hui ? D'une vie où tout est à nouveau possible. Écoutons Dieu nous parler. Alors, comme d'habitude, nous avons deux lectures. La première se trouve dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 2, les versets 1 à 8, 8a, c'est précis. Anne fit cette prière. « Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. » Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, pas d'autre Dieu que toi, pas de rocher pareil à notre Dieu. Assez de paroles hautaines, pas d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand la stérile enfante sept fois, la femme aux fils nombreux dépérit. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire.
Et la deuxième lecture est dans l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Alors, comme je sais que vous êtes une communauté sympa, c'est bien comme ça, je vous ai tout de suite avec moi, et participante aussi, surtout, je vous proposais de commencer par un petit jeu. Alors, voilà.
J'ai dans une de mes mains quelque chose que vous n'avez jamais vu. Si vous trouvez dans quelle main cela se trouve, vous gagnerez la vie éternelle. On est à l'église, hein ? Il y a une règle du jeu. Vous avez droit à deux chances. Alors, il faut quand même qu'on vote. Quelle main dois-je ouvrir ? Alors, qui veut que j'ouvre celle-là ? Lève la main. C'est celle-là, voilà. Je vois que vous n'êtes... Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 qui vote pour la main droite, pardon. Et pour celle-ci... je vois, je situe cette communauté-là. Donc, on va ouvrir celle qui a obtenu la majorité. Voilà. Je vais le garder pour le moment. Dans quelle main se trouve ce que vous n'avez jamais vu ? La Bible nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, même s'il ne l'avait pas vu. » Bien, le matin de Pâques, les trois femmes qui se sont rendues au tombeau ont vécu une expérience semblable. Elles s'étaient levées, c'était le premier jour après le sabbat. Alors cette remarque « premier jour après le sabbat », cette remarque temporelle, n'est pas anodine comme rien n'est anodin dans les récits bibliques. Jésus était mort et avait été enseveli le vendredi, c'était quelques heures avant d'entrer dans le temps du sabbat qui commençait le vendredi soir, puis était arrivé le samedi, c'est un jour où il n'était pas envisageable d'aller toucher un mort, on ne pouvait donc pas se rendre au tombeau. Ce samedi était aussi le septième jour de la semaine, ce jour où les Juifs faisaient mémoire de Dieu qui s'était reposé. Le lendemain était le premier jour de la semaine. Symboliquement, ce jour est compris comme un nouveau premier jour. C'est pour cela que nous avons fait du dimanche un jour à part dans la semaine, le jour du Seigneur. C'est le jour où il nous est donné de recommencer. Et c'est ainsi aussi que nous organisons la liturgie de nos cultes. Nous commençons par une louange pour la vie qui nous anime reçue de Dieu, puis par la repentance pour ce que nous n'avons pas réussi à accomplir, les cibles manquées la semaine passée, notre éloignement de Dieu. Et puis nous a donné le pardon qui nous invite à nous relever, à laisser derrière nous nos échecs, ce qui nous pèse. Et puis vient une parole qui nous oriente vers une nouvelle direction, une nouvelle route. Les trois femmes se rendent donc au tombeau le premier jour de la semaine. Elles y vont le cœur lourd, un peu mécaniquement, pour accomplir les rites mortuaires. C'est tout ce qu'elles peuvent encore faire après la mort de Jésus. Beaucoup d'entre nous connaissent cela aussi, ceux qui ont vécu un deuil. Ces premiers jours où nous sommes groggy, déboussolés, un peu, nous avançons un peu comme des somnambules, nous faisons les démarches nécessaires sans prendre conscience encore de l'absence. Les femmes vont au tombeau avec l'esprit encore secoué par le choc des événements, par leur brutalité aussi. À cet instant, elles sont encore incapables d'envisager un avenir, une suite. Alors elles vont pour faire les gestes. Elles ont préparé les aromates, elles ne savent pas trop comment elles vont faire parce qu'elles savent qu'il y a cette énorme pierre qui a été placée devant le tombeau, mais peu importe, il n'est pas temps de se poser des questions pour le moment. Elles auraient bien pu se dire « on reste chez nous, nous n'y arriverons pas », elles auraient pu rebrousser chemin, se dire que cela ne servait à rien. De toute façon, Jésus n'était plus ici, il était mort. Il n'allait plus leur parler, alors à quoi bon ?
À quoi bon ? C'est une des caractéristiques peut-être de l'humanité, parfois, de ne pas se laisser enfermer dans le « à quoi bon ?» de faire des choses qui parfois ne servent à rien, comme la poésie, la musique, la prière, le culte, et puis les rites et les rites funéraires. Les plus anciens rites funéraires identifiés remontent à 100 000 ans environ. Ils sont souvent considérés comme la marque des civilisations et on sait combien ils sont importants. On sait combien de lieux funéraires comme cela ont marqué l'histoire de l'art ou de l'architecture, des pyramides au Taj Mahal ou à la cathédrale Saint-Sauveur de Saint-Pétersbourg, érigée sur le lieu où le tsar Alexandre II a été victime d'un attentat. Les rites funéraires, c'est aussi l'enjeu de la pièce de Sophocle, Antigone, emmurée vivante pour avoir enfreint l'interdiction du roi Créon d'inhumer son frère Polynice. Elle transgressera cela parce que pour elle, il était essentiel d'accomplir ce rite. Et c'est lorsque les femmes vont approcher du tombeau qu'elles vont basculer dans une nouvelle réalité. À quoi bon ? Cela va s'ouvrir sur une nouvelle création, sur le monde que l'on appellera alors le monde de la vie éternelle. Et ce monde va s'ouvrir comme la caverne d'Ali Baba par une expression. Alors, ce ne sera pas la même que pour la caverne. L'expression, c'est « il n'est pas ici ». Ce « il n'est pas ici » est la marque de naissance du christianisme. Mais à la différence d'avec la caverne d'Ali Baba, le trésor n'était pas dans la caverne. On ne pouvait même pas le saisir, on ne pouvait pas s'en emparer, on ne pouvait pas l'empiler dans des sacs, le mettre sur des ânes et le ramener chez soi. Où était le trésor ? Les femmes vont se retrouver convoquées à une sorte de jeu de piste ou d'un jeu du chat et de la souris. Il n'est pas ici. Ceci, c'est l'endroit où on l'avait mis, mais maintenant, allez dire à Pierre, aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée. En Galilée. Sérieusement ? C'est un peu comme si le prochain président de la République allait fêter sa victoire à Rochefourchat. Je ne sais pas si vous connaissez Rochefourchat. C'est un village dans la Drôme, est-ce que vous le connaissez ? C'est le plus petit village de France, il a un habitant. On pourrait dire, à l'époque de Jésus, que la Galilée, c'est un peu comme la Lorraine pour les Alsaciens, ou l'inverse, ou la Belgique pour les Français, ou l'inverse. Les gens du centre du pays, de la Judée, là où se trouvait la capitale Jérusalem, regardaient et parlaient des gens de Galilée avec beaucoup de condescendance. La Galilée, c'était le territoire des païens, des gentils. Il y avait quelques juifs, mais on était sur les marges du pays aussi. Il y avait là certainement bien des étrangers qui n'avaient pas la même religion ou la religion officielle. La Galilée, c'est un peu Mulhouse, cette ville aux 136 nationalités pour les gens qui rêvent à une société uniforme. La Galilée venait juste après la Samarie dans la culture du mépris de l'Israël d'alors. La Samarie, c'était quand même pire. C'était les frères ennemis, les traîtres. Ils étaient juifs, mais d'un courant un peu différent. Un peu comme les catholiques pour les protestants ou le Parti socialiste pour LFI, LREM pour LR ou Reconquête pour le RN. On est souvent beaucoup plus difficile avec ceux qui sont le plus proches de nous. Mais qu'allait faire Jésus en Galilée ? Dans l'évangile de Jean, quand Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « J'ai trouvé le Messie », il vient de Galilée, il vient de Nazareth, qui est en Galilée. Nathanaël lui répond « Mais de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Au moment de l'arrestation de Jésus, certains vont interroger Pierre
parce qu'ils vont reconnaître qu'il parlait son accent. Ils vont reconnaître qu'il parlait un patois galiléen, ce qui le trahissait, se disait. On lui dira certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Et Pierre s'est mis alors à jurer, je ne connais pas cet homme. Et le coq a chanté. Le ministère de Jésus s'est déroulé principalement en Galilée, sur les marges d'Israël, sur ses frontières. La plupart de ses disciples étaient des Galiléens. Et ça pourrait même être une des hypothèses de sa mise à mort, plutôt Barabbas, s'il fallait en sauver l'un des deux, plutôt Barabbas, s'il était judéen, un homme de chez nous, que Jésus, le Galiléen, qui n'était pas de chez nous. Et puis s'entendre dire par l'homme en blanc dans le tombeau, lorsque les femmes s'entendent dire par l'homme en blanc, vous le trouverez en Galilée, peut aussi avoir une dimension spirituelle. C'était comme dire rendez-vous à Pétaouchnok ou à Trifouilly-les-Oies, une manière de nous dire que Jésus est de nulle part, mais c'est-à-dire aussi qu'il est de partout. Il est d'un endroit marginal pour le monde. On pourrait dire que la bonne nouvelle est partie des banlieues du royaume et du monde pour s'adresser à tous. Une manière de nous dire que pour Dieu, le monde ne s'organise pas par la force, mais s'organise à partir des centres ou des marges méprisées. Ce que nous est dit dans les Épîtres. Dieu a choisi ce qui n'est rien pour confondre ce qui est quelque chose. Ce qui n'est nulle part confondra ce qui est quelque part, ce qui est installé. Et c'est aussi une manière de transformer la manière que nous avons d'établir le sacré. Le monde du ressuscité ne va pas substituer un nouveau sacré à l'ancien, un sacré juif renouvelé à Jérusalem qui remplacerait l'ancien sacré, ou un nouveau lieu sacré qui s'établirait en Galilée, comme il y avait l'Olympe pour Rome, ou la Mecque, ou Jérusalem. Non, le rideau du sanctuaire avait été déchiré. Dieu s'était installé au cœur du monde. C'en était fini de la séparation entre le monde du profane et le monde du sacré. C'est le monde entier qui devenait saint, et la Galilée en est un des exemples. L'humanité entière était devenue sainte et prêtre, comme le redécouvrira Martin Luther. Il n'est pas ici. C'est enfin une manière de nous rappeler que nous ne pouvons pas mettre la main sur Jésus ni sur Dieu. Parce que la résurrection ne relève pas du registre de la preuve historique, matérielle, formelle. C'est pour cela que toutes les apparitions du ressuscité par la suite vont se produire dans le registre à la fois du visible et de l'invisible, du saisissable et de l'insaisissable, du réel et du spirituel. Ce sera ce jardinier, reconnu par Marie seulement quand il la nommera dans le jardin. Ce sera ce touriste au bord d'un lac qui préparait un petit déjeuner, ou ce pèlerin partageant le pain le soir dans une auberge à Emmaüs, ou encore une apparition dans la chambre haute qui ne sera accueillie par Thomas qu'en lui touchant les plaies. À chaque fois, ils ne reconnaîtront pas et ils reconnaîtront Jésus à la fois. Jésus, le Christ, ne sera pas le Messie des religieux, des bons croyants, des gens bien, des paroissiens fidèles, de ceux qui parlent bien, qui votent bien, qui pensent bien, qui ont la bonne théologie, la bonne généalogie. Il n'est pas ici. C'est-à-dire, il est partout. C'est-à-dire, il est pour toute personne qui croit. Paul le dira ainsi dans la première lettre aux Corinthiens. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. Mais comme il est écrit,
Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui, il n'est pas ici. Il est là peut-être. Cette chose que vous n'avez encore jamais vue, elle est là, mais pour celui qui croit. Et celui qui croit sans avoir vu, celui-là aura la vie éternelle. Amen. Les annonces. Alors cette semaine, personne d'entre nous ne va mourir, puisque avec Jean-Sébastien Laurin et Francis Muller, nous partons en retraite de catéchisme de mardi à samedi. Nous rendrons à Paris. Michel Cordier, lui, restera là pour assurer la veille pour nos paroisses. Samedi prochain, il y a une formation pour tous les conseillers presbytéraux de notre consistoire. Elle se passera à Saint-Marc. Dimanche prochain, nous avons un culte commun. Il aura lieu à Saint-Jean et nous recevrons pour la prédication et pour participer au culte sœur Danielle Renaud, qui est la prieure de la communauté des diaconesses qui est à Strasbourg et au Rodeberg. Venez pour profiter de sa présence et pour écouter sa prédication. Est-ce qu'il y a d'autres choses particulières pour Ilzac, Monsieur le Président ? Non ? Voilà, donc nous allons chanter Raymond, tu entonnes. Un joli fait chaque année parce qu'il est fan du chant qui vient. 34-18, à toi la gloire.
Et nous prions. Jésus, notre Sauveur, tu as été la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est devenue la pierre d'angle, et tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Nous te prions ce matin pour tous les chrétiens qui, partout dans le monde, célèbrent ta Pâque. Nous te prions afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection et qu'ils soient des signes joyeux et visibles de ta présence. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils luttent pour la justice et la paix, qu'ils soient encouragés dans leurs actions. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, afin que ta résurrection soit pour elles secours, consolation, réconfort. Et nous voulons te confier en particulier les personnes, les familles, des personnes qui ont été accompagnées cette semaine dans le deuil, la famille de M. Lutz, la famille de M. Marquisio, la famille de M. Appel. Dans le silence, nous voulons encore te confier nos pensées, nos attachements personnels, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus le Christ, par ta croix et par le tombeau vide, tu as vaincu la mort. Tu es le Fils du Dieu vivant, vraiment. Béni sois-tu. Nous voulons te dire, en disciple, comme tu l'as enseigné à ceux qui t'entouraient alors, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen.
Il n'est plus ici. Peut-être le trouveras-tu sous les pierres, derrière les arbres, sous ton lit, au détour d'une fausse route, sous la pluie ou sous le soleil, lorsque tu seras joyeux ou en peine, à midi ou ce soir. Partout, Dieu t'attend. Partout, Dieu t'a réservé des étonnements. Alors va maintenant en confiance. Va aussi en insouciance. Laisse-toi porter par le souffle de l'esprit et de la liberté qui émane du tombeau. Et que le Dieu de tendresse et de vie, celui qui a relevé Jésus d'entre les morts, relève en vous ce qui est mort et qu'il vous conduise à la vie en abondance. Que la lumière de Pâques soit sur vous, que la lumière de Pâques soit en vous, que la lumière de Pâques soit par vous. Allez, dans sa paix. Amen.